Pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it. Bouya Chakar, it's la pitu. Bouya Chakar, cafardinos. Nous, nous, ce qu'on aime, c'est les gros bisous. Nous, ce qu'on aime, c'est les gros chocos. Et oui, frérot, toujours en freestyle, toi-même, tu sais. Aujourd'hui, vidéo, c'est ce gommeur. Il faut un son de piano là. Imagine qu'il y a un montage. Peut-être si Virg il arrive, il va faire un montage. Ok, est-ce que CSGO est mort ou pas? Pourquoi? Est-ce qu'il y a moins de vues, moins de ci, moins de ci, moins de ça? Alors, je vais vous donner mon point de vue. Oui, CSGO est en train de baisser, etc. Parce que toute la partie casual est en train de... a été mangée, entre guillemets, par les Battle Royale qui sont plus faciles à prendre en main, etc. CSGO est un jeu très exigeant. CSGO est un jeu très difficile à maîtriser parce qu'il y a plein d'aspects du jeu à gérer, à maîtriser, à connaître, et c'est très difficile pour tout le monde de le tenir sur la durée. Voilà. Les joueurs de CS, ils arrivent, ils lancent le jeu, le recul est dur à comprendre, il faut retenir le nom des maps, les maps sont compliquées, il y a beaucoup de cartes, tu joues avec des putains de Russes, t'es dépendant du collectif sur CS, c'est un jeu collectif, c'est un jeu d'équipe. Ça veut dire que même si toi, t'es correct en termes de jeu individuel, que ta com est bonne, vite fait, tu vois, même si t'es moyen, mais que tu gères plus ou moins, tu vois, tu meurs pas comme une merde tout le temps, tu donnes ta com, etc, etc, etc. Bah si, à l'autre bout de la map, ton pote, il est pas capable de faire ça, ou pas ton pote, justement, parce que tu lances tout seul, vous êtes que deux ou des trucs comme ça, et bah c'est la merde. Et même si t'as des potes et que vous lancez à 2, à 3, à 4, bah CSGO, c'est vraiment un jeu où il faut lancer à 5. Et dès lors que t'as un pote... il tombe amoureux d'une meuf, il te quitte. Sa mère, elle a giflé, elle veut plus qu'il touche le PC. Hop, il lâche le jeu. Vous étiez trois, tu te retrouves qu'à deux. Puis après, tu te retrouves solo. Puis même toi, après, tu give up parce que tu fais que perdre, parce que tu joues solo, etc. Donc il faut savoir que tous ces joueurs-là, parce que le jeu est tellement exigeant, tous ces joueurs-là partent sur un jeu beaucoup plus facile à maîtriser, où tu es beaucoup moins dépendant du collectif. C'est-à-dire que sur H1Z1, tu peux lancer à plusieurs potes et tout machin, il me semble. Sur Fortnite, sur plein de jeux comme ça, où c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus facile à maîtriser de 1. Et en plus, c'est surtout des jeux où t'es pas autant dépendant du collectif. Genre, tu peux compter que sur tes capacités, sur ton intelligence de jeu, sur ton aim, sur tous ces trucs-là. Donc, il y a plein d'aspects sur CSGO où tout ça fait que le jeu perd de plus en plus de joueurs. Le ban des skins, tout ça, il n'y a plus de gambling. Il y avait pas mal de gens qui adoraient les skins, qui adoraient ça et tout machin, c'était vraiment marrant. Les gens jouaient à parier leurs skins et tout machin. Donc voilà. Est-ce que le jeu meurt ? Maintenant, fondamentalement, je pense que non. Pourquoi ? Parce que CSGO est un jeu qui est là depuis vraiment genre quasiment 20 ans, d'accord ? Quasiment 20 ans. Enfin, Counter-Strike, la franchise Counter-Strike, et donc le mode de jeu 5 contre 5, terreau, anti-terreau, bombe plantée, et ceci et cela. C'est un jeu qui a révolutionné totalement le mode de guerre compétitif, et c'est ce qui fait que CS existe à l'heure actuelle. C'est comme comparer des disciplines avec le foot, le basket, le golf, le MMA, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, etc. CSGO, c'est CSGO, les gars, c'est 5 contre 5. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut jouer compétitivement à haut niveau, et ceci et ceci et cela, CSGO est un des top jeux. C'est comme le League of Legends, il y a eu une grosse perte de viewership, etc. Pareil, de spectateurs et tout, mais le League of Legends ne meurt pas. Il y a un noyau dur des gens qui kiffent les MOBA, il me semble, ça s'appelle comme ça, les MOBA. Les MMORPG, enfin je sais plus quel type de jeu il s'agit, mais c'est League of Legends, c'est comme ça, c'est les LCS, et les gens kiffent ce jeu-là, tu vois, les vrais puristes. Et pour CSGO, c'est exactement la même chose. Et par contre, on perd une grande partie des casus, donc des joueurs casuals, des joueurs on va dire quotidiens, en mode qui viennent pas souvent, quoi, des joueurs irréguliers, quoi, pas là vraiment tous les jours, qui sont là vraiment à jouer à CS tous les soirs. Vraiment, les joueurs qui viennent genre que par période, bah ceux-là on les perd, en mode va sur Fortnite. Mais quand Fortnite il va pas maîtriser, que le jeu va devenir de plus en plus difficile à prendre en main parce qu'il y aura trop de changements, trop de ci, trop de ça, bah, peut-être qu'il reviendra à CS, parce que CS c'est vraiment fun quand tu joues à 5, tu prends vraiment du plaisir parce que t'es content, t'es fier de toi, t'es fier de ta progression. CS, quand tu te sens bon, t'es content parce que t'es bon au niveau de ton shoot, t'es bon au niveau de ta compréhension du jeu, t'es bon au niveau de tes calls, t'es bon au niveau de ta com, de ton placement, etc. Ne serait-ce qu'avoir mis une flash pour ton pote et tu sais qu'il a fait 2 kills derrière, bah t'es content parce que tu sais que tu lui as fait gagner le round, et lui-même sait que tu as fait gagner le round aussi.
Et ça, c'est gratifiant dans CS. Et je trouve que sur les autres jeux, comme machin, machin, ceci, cela, tous les jeux un peu qui passent de là, c'est pas trop ça, tu vois, c'est pas trop ça. Donc c'est pour ça, je pense pas que CS meurt fondamentalement. Le noyau, les noyaux durs, les vrais puristes du jeu, ceux qui aiment le mode de jeu 5v5, etc. Comme le foot, quoi. Tu vois, le foot, machin, il y a plein de gens qui suivent plus forcément le foot, ou c'est des gens, des casus, tout ça. Quand c'est la Coupe du Monde, hop, ils regardent, puis après ils suivent pas le foot. Ben pour CS, c'est pareil. Quand il y a le major, les gens ils suivent et tout machin. Et après toute l'année, les compétitions, les joueurs ils suivent pas forcément. C'est ça qu'on a perdu, ces joueurs casual. Mais. Les gens kiffent de ouf, tu vois. Les gens kiffent de ouf et tout. Après, je pense que le noyau dur restera là. Et de toute façon, CS a vécu avant sur des tournois vraiment de puristes et il continuera de vivre. Enfin, sur 1.6, il y avait des gens qui jouaient alors qu'il y avait zéro visibilité. Pas de... Il n'y avait rien, quoi. Il y avait peut-être 20, 30 000 euros, 30 000 dollars à gagner sur des tournois. Aujourd'hui, c'est 1 million, mais 30 000 dollars à gagner, ça fait vivre quand même les gens qui jouent sur la scène professionnelle. Et c'est pas parce que les casus ne vont plus suivre que la scène professionnelle va mourir ou des trucs comme ça. Donc vous inquiétez pas de ce côté là. Big up à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc non, pour moi CS ne meurt pas, mais meurt aussi un petit peu au niveau casus. Mais ils reviendront, je pense que tôt ou tard ils reviendront. Voilà, bisous.